Bonjour Borsé, bonjour Pierre-Guinel, bonjour Gavier Dussuel. Moi, content matin pour nous capables de faire une intervention dans la première occasion. Donc, journal Le Monde entier, attendez, radio que tout le monde entendait. Eh bien, moi, c'est Pasteur Renaud depuis la Floride, particulièrement dans Orlando. Pasteur et motivateur en même temps, Renaud Motivation. Eh bien, et sous question, Pasteur Locharimian, c'est un bagage qui domine en pile. Eh bien, qui vraiment troublé, qui vraiment bouleversé, parce que et dans l'armée, lorsque un soldat prend coup, ordinairement, tout notre soldat y prend, y met le sous doyo, eh bien, y parti avec. Mais nous-mêmes, étant que chrétiens, réaliser là, on fait nous prend coup, c'est comme si de rien n'était. Donc, c'est ça qui a bouleversé, qui a tourmenté. Ma dernière intervention, moi, libéré dans trois volets différents. Premièrement, moi voulais faire conscientiser les pasteurs et les évangélistes, le monde christianiste en général, sur la situation de notre frère, de notre pasteur, confrère, Locharimi, eh bien, qui fait 16 jours déjà dans mes ravisseurs. M'a demandé, eh bien, même Jean, monsieur, nous avons fait une mobilisation, en tant que président Jovenel était là. Bien que souvent dit comme ça, c'est les pas bon, t'es là, j'en ai bon. OK? Donc, nous avons mobilisation pour nous déjeter, Jovenel. Je dis à là, mais nos charimis, nous sommes là. Donc, je pense que les arrivés, parce que prière important, prière extrêmement important, mais des niveaux nous arriver, c'est pas seulement la prière que nous avons besoin. Nous avons besoin des actions concrètes pour nous capables de poser, pour nous montrer que nos charimis, ce n'est pas n'importe qui, c'est un icon dans mon évangélique là. Donc c'est un monde que moi-même moi suis, c'est un monde moi-même moi copier dans talent, dans l'option que le gagner. Donc je dis à la cap péri. Il est le temps pour nous capables lever et pour nous capables dire ça pour nous dire. C'est ces réunions à faire pour nous réunir quelque chose qui a sorti à pour sortir pour nous voir si nous sommes capables de mettre le charimi dehors. Et deuxième monde. Ma PC font-y parler avec lui. Je connais que Madame Pasteur Locharimi, c'est une servante de Dieu. Elle croit dans la prière. Chère Madame, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, la prière est extrêmement importante, est fondamentale dans la vie du chrétien. Mais compte tenu de la réalité de notre pays, la réalité actuelle, dans notre pays, c'est pas parce que nous pas chrétiens, c'est parce que nous pas croyons dans bon Dieu, la prière genou nous pas nos résultats. Mais certaines fois de la vie, faut nous tenir compte de réalité nous. Je dis à Locha en dedans, Locha Rémi c'est votre mari, c'est votre partenaire, c'est votre frère. Mais Locha Rémi est aussi un icône dans le monde évangélique. Nous sommes tous concernés par sa situation. Donc maintenant, chère madame, donc, il est temps de sortir dans ce trou. Eh bien, présentez-vous s'il faut organiser quelque chose. Pour nous organiser, nous, pour Locharimi sortir dehors. Parce que le monde évangélique doit s'organiser pour nous capables de mettre Locharimi dehors. Madame Pasteur Locharimi. Moi, comprendre, ou à parler avec monde de son côté. Mais moment arrivé, font conférence de presse. Prenons bagage. Parce que Mabdou, ça, sincèrement. Moi, je parle avec un pile monde et il y a un pile monde qui sont prêts à mobiliser, quelle que soit la façon qu'elle soit, pour que Locharimi soit capable de sortir dehors. Madame Locharimi, vous devez camper comme une femme, eh bien, réunir les artistes, les pasteurs qui sont prêts à mettre la main dans le plat, justement, pour nous voir comment nous sommes capables de mettre Locharimi dehors. Bagala pas qu'à faire en cachette encore. Et puis pendant ce temps, Locharimi a péri. Je souvent dit que Cabrit qui gagne pile mètre mourit dans la corde. Et nous pensons que c'est un problème. Mm-hmm. Hello? Oui, donc on question. Donc solidarité, nous avons cherché là pour mettre Pasteur Locharimi dans l'église. Là. Est-ce que le fait que nous ne pas joindre là, est-ce que ça n'a pas gagné pour la division qui gagne dans l'église là? Donc là, où dans son appel pour Pasteur Locha, il nous songeait avant ça, il y a des gens qui étaient mourus devant l'église, bandit rentré à le prendre dans l'église. Nous pas de senti mobilisation, ça n'a pas cherché là, je veux dire. Si mobilisation, ça a été fait bien avant, pas pensé, nous n'avons pas évité ça, crivé Pasteur Locha, je veux dire. Laissez-moi vous dire quelque chose, Pierre Brunel. Et fondamentalement, de façon absolue,
le problème d'Haïti entièrement lui reposait sur l'irresponsabilité du monde évangélique. De façon générale. Le problème de l'insécurité, c'est un manque de collaboration. Nous prétendons que le fait que nous, chrétiens, nous n'avons rien à voir à ce qui passe dans ce pays. Donc c'est ça que fait nous voter, nous quitter n'importe quelle ville dans le Parlement. Parce que, imaginez-vous, bon, le monde, le secteur évangélique, nous représentons plus de 60% de la population haïtienne. C'est-à-dire que, ça veut dire, nous avons le pouvoir, nous avons la capacité. Mais on l'évangile qui a prêché, on l'évangile de zombification, qui fait chrétien qu'on est que, les seulement là, donc pour le ciel, mais pas de rien qui a fait sous terre qui est intéressé. Est-ce qu'on comprend ça, Mme Dola? Donc, le problème, c'est ça, c'est de la réalité. On va penser que tout, si nous avons un leader évangélique, parce que, bien, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, l'autre leader, par exemple, si nous avons un leader solide dans le pays, qui devait craindre bon Dieu, parce que nous avons un problème dans le pays, nous n'avons pas de guerre. Ça veut dire, l'eau, ça, il va jamais arriver là. Donc, si prédication nous a été changée en termes de motivation, permettre que les Haïtiens connaissent que non seulement ils ont servi bon Dieu, mais ils sont citoyens dans le pays, tout ça qu'ils ont fait. Nous avons dit que nous sommes sel de la terre. Mais lorsque nous sommes sel de la terre, si celle-là n'a pas mangé, elle n'a pas de goût. Ça veut dire que celle-là doit participer à manger à goût. Si le pays a péri, c'est parce que Haïtiens, chrétiens Haïtiens, qui c'est celle de la terre-là, n'ont pas participé dans un pays. Écoutez, Pasteur Renaud. Timidité oui. Ça, frayeur ça, nous joignent dans le monde évangélique là, jodia, et qui a couché manque de solidarité visible ça avec Pasteur Lou Charimi. Est-ce que ça t'a dit avec un père bleu qui gagne dans le monde évangélique là? Parce que jodia, bandit très puissant, si on fait solidarité avec lui, jodia, demain à plumer projecteur là, souyo, est-ce que c'est hypocrisie? Dis-nous. Je crois que c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Je pense que c'est division dans le secteur. Parce que le secteur, c'est un secteur qui est fragile. Ouais, pendant que je parle là, il y a un peu de monde qui parle de ma contre-pied. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une bataille de popularité dans le secteur évangélique. Une bataille de popularité. Ça qui devient populaire, ça qui fait view, ça qui prend n'importe son dit pour le détourner son dit. Imaginez-vous, donc, la déclaration de Déonnet. La déclaration de Déonnet était une déclaration émotive. C'est parce que Déonnet, c'est une monde qui vraiment est apprécié Pasteur Louchard, de même que moi, j'apprécie Pasteur Louchard, ok, pour ce qu'il représente. Mais Déonnet, pas de fond, pas de fond bagage. Je connais Déonnet. Je ne pas de fond bagage pour le ramasser comme sur Pasteur Louchard. Mais bon, tout bien, il y a tellement de monde comme si qui voulait populaire, qui veut écraser l'autre monde, ils utilisent ça le dire seulement pour écraser. Vous comprenez ça, Mme Zoula? Et ça, vous comprenez encore en plus dans l'intervention là, vous voulez faire que Mme Rémy connaît que prière, c'est bon, c'est très très bon. Mais dans certaines circonstances, il faut agir. Donc, puis Mme Rémy, alloué sous cinéma, monté sous missionnaire étranger, pour le connaître, ça cap dit, c'est vérité, vrai, c'est la prière que tu mets mon yo dehors. Certaines fois, faut ou agir, et surtout parce que Rémi, il est très maladif. Parce que le chat très maladif, c'est ça lié. Moi, demandé, madame pasteur, moi, connais son femme de prière, je grand pile respect pour vous, le temps qu'on y a pour agir. Et bon, c'est Mabdou, ça, sincèrement, moi, remercie en pile. Et Mabdou, ou grand pile crédit. Ou grand pile crédit. Peu importe, lorsque nous avons fait un effort pour avancer dans la vie, toujours il y a une série de monde qui a toujours contre-compte. Parce que c'est contre où il y a, nous n'avons pas remédié. Est-ce qu'on comprend ça, Mabdoula? Chaque réaction négative, il y a un rapport avec une jalousie extrême. Bon, c'est, bon, dis-vous, moi, je connais ça que nous fait appel avec vous. Nous connais que vous avez sacré, ou c'est un motivateur, d'ailleurs. Ou gagne une façon de parler et façon qu'on parlait ou motiver ou pas mettre l'huile sur du feu mais en quelque sorte ou calmer la tempête.
Donc, moi-même, je connais que par votre capacité et par la capacité générale eh bien, du journal dernière et première occasion tous les matins, les 5h du matin, donc moi crois que monsieur, on est capable de faire des parler. Et maintenant, je pense que pendant que je parle là, et quel que soit mon nom, que ce soit l'homme sans jour, que ce soit barbecue, que ce soit Tiapli, que ce soit Iso, monsieur, est-ce que je vous dis quelque chose? Le Charimi n'a pas mérité ça. Le Charimi, si c'est pour 2 millions de dollars, monsieur, nous avons un monde évangélique divisé. Le secteur évangélique, c'est le secteur le plus divisé qui existe en Haïti. Il n'y a pas de secteur qui est divisé comme ça. Les catholiques, ils mettent tête ensemble. S'il y a quelque chose pour faire, je peux vous dire certainement, catholiques, ils mettent tête ensemble. Mais monsieur m'a dit ça. C'est ça. Et merci, pasteur. Pour moi, les critiques, c'est comme les boulettes, comme disait l'autre. Pour moi, les boulettes ne sont que de la poussière. Ma conscience est tranquille et ma mission est divine. Moi, pape dit au monde, on mentit pour me bal plaisir et puis pour me faire quel content. Et puis après, l'Elvin ou est vérité pour me paraître en bête noire. Je préfère dire vérité à Jean Lier. Donc, message ou en matin, c'est pour dire avec Madame Rémy, s'il va nous feu vert, nous-mêmes comme pasteur à l'échelle internationale, nous ca mettre pied dans balance dans une action positive que nous ca poser en échange de libération, pasteur Rémy. Oui, absolument, c'est ça, mais bon nous feu vert là, c'est pas moi, m'pas pas organiser rien. M'pas organiser ni prendre l'argent, ni dire avec rien de la pour l'argent. Mais seulement madame pasteur Rémy doit camper. Si bon bagay qui pour faire pour tout pasteur, que ce soit en Haïti, à l'étranger, jouer là avec lui. Mais c'est lui-même qui pour tête de pont. C'est lui-même qui pour tête de fil. C'est lui-même qui pour dire, mais ça qu'a fait, et puis pour nous tous camper derrière. Très bien. Est-ce qu'on comprend? C'est ça. Et en pile, moun pa gen moun ke kounya kapwe ki eskap pale ya, pasteur Rino, ou joue en pile film, ou joue musique évangélique tout. Si m'pa trompe, yo attaque moi mauvais l'air. C'est musique ou? Oui, c'est musique. Il attaque mauvais là, il tourne un film converti. Il est ça. Très belle. Ça, oui. Très très belle musique. Et donc, ou pas des moyens, t'es capable de faire auditoire en vivre. Guerrier, ou bien net ce téléphone noir. T'as payé ou attaque mauvais là et puis n'après. Qui est-ce qui pasteur Rino? Et donc, et non seulement influenceur. Et puis c'est un homme qui est évangélique et son pasteur également. Elle joue dans pile film haïtien, pas trompé, à l'échelle internationale. Oui, moi, je jouais le dernier film, moi, c'était avec Blondedi Ferdinand, La volonté de Dieu. Moi, je jouais, et donc, Madame Pasteur, qui c'est producteur, Goodman Latus, Baby Love, qui c'est lui-même qui mettait dans le cinéma, dans pile respect pour lui, c'est mon compère, mes amis, moi. Et donc, nous sur Facebook, YouTube, TikTok, nous faisons motivation, nous motivons le monde d'abord, nous plus de motivation, nous soyons motivateurs qui baillent conseils, qui aident en pile monde. Ou bien, nous sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, c'est Renault Motivation. Yo attaqué moi mauvais là, c'était mon inspiration en fonction de qui ça? C'était un là moi te boucline et puis tes bon compte que t'as sous dos, maman évangélique là encore t'as pas fait réunion sur moi. Maman évangélique là. Oui, et t'as pas fait réunion. Maman évangélique là. Oui, oui, il y a des fonds complots sous d'hommes, quelques pasteurs qui te font complot avec quelques artistes. Et puis pendant que vous dites ça, moi t'as pas long jeune, c'est ton jeudi dans Yutika. Et puis, inspiration vie, nous seulement dit, yo attaque moi mauvais l'air. Yo attaque moi mauvais l'air. Yo t'en l'aime fin converti, c'est l'air, yo attaque. Yo attaque moi mauvais l'air.